maisha ya kesho. Vous qui êtes arrivés, chers visiteurs, nous disons bienvenue ici chez nous. Les grands comme les petits, les hommes, les femmes, ainsi que nos jeunes, bienvenue. Bonsoir à tous. Je pense que je vais pouvoir participer dans l'accueil des visiteurs, bien que je sois aussi membre de l'équipe. Toutefois, je me retrouve déjà à la maison. Je suis en face de la maison. C'est pourquoi je vais contribuer à vous accueillir. Bienvenue à tous. Bonjour à tous, je suis Albert. Je vais devoir présenter notre équipe. Je commence par l'abbé Roger. L'abbé Roger est président des foyers de paix, en même temps président des Youth for Peace. Bienvenue encore une fois, monsieur l'abbé. La deuxième organisation, c'est l'organisation appelée Génération épanouie. La Génération épanouie est ici représentée par son président, Joseph Akilimali.
Il est accompagné des deux autres collègues, dont Monsieur Jean-Claude et Monsieur Pacifique. Joseph est président de la génération épanouie, en même temps secrétaire exécutif de Youth for Peace. La troisième organisation, c'est Ndaro Kiltir. Elle est ici représentée par son président, M. Thomas. Thomas est accompagné de trois autres collègues. La toute dernière organisation, c'est Action for Peace and Liberty, mon organisation. Il est représenté par moi-même, accompagné de mon collègue, M. Jean-Paul. Toutes ces organisations sont indépendantes et réunies au sein de la plateforme Youth for Peace. Telle est l'équipe avec laquelle nous sommes venus. Et notre point commun, c'est la paix. Et c'est d'ailleurs ça notre motif aujourd'hui. Notre message, il est ainsi libellé: par la paix et la réconciliation, bâtissons un monde plus juste et plus fraternel. Telle est la devise de nos organisations. Nous avons un long message. Il est écrit en français. Je vais demander à Monsieur Jean-Claude de le lire tel qu'écrit en français. Et moi-même, je vais essayer de traduire ce message en langue locale. Bienvenue à l'écoute. Jambo. Jambo. Kauli yetu inaandikwa kwa Kifaransa, tutaisoma lakini Albert ataenda na tafsiri kwa kusaidia wengi kusikia mu lugha ya kwetu, si vile? Asante. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, bonjour. Avant toute chose, nous tenons à vous présenter nos condoléances pour les durs moments que vous traversez. Pour les sana, et prenez courage car le meilleur est encore à venir. Chers parents, estimés compatriotes, nous avons appris les durs moments que vous avez connus depuis plus de 4 ans dans le nouveau plateau. Cette situation est déplorable et inhumaine. Nous remercions le Seigneur de vous avoir gardé jusqu'ici. Et vous exprimons toute notre compassion. Nous sommes une plateforme des organisations réunies pour la paix. Et notre message d'aujourd'hui est de vous redonner l'espoir. Oui, il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir qu'un arbre coupé puisse repousser, comme nous le lisons dans Job, chapitre 14, le 7e verset. Il y a de l'espoir que l'amour revienne entre les gens. Il y a de l'espoir de vivre. Nous avons apporté des vivres.
du sucre, du sucre, du savon. Savonné. Mais c'est juste pour exprimer notre solidarité avec vous tous. Le plus important, le plus important, ce n'est pas ce vivre, mais ce moment que nous partageons ensemble, cette occasion. Occasion de nous soutenir mutuellement. Et nous dire qu'il est encore possible. Tel que vous pouvez le voir, notre équipe est composée de personnes de différentes tribus. Il y a des Bashi, il y a des Barega, il y a des Banyamulenge. Nous sommes une équipe de différentes tribus. Et c'est la couleur et la mission de notre plateforme, réunir toutes les tribus autour de la paix. Nous sommes également avec les musiciens, pas pour faire un concert, mais pour chanter ensemble la paix. L'objectif de cette musique, c'est de vous dire qu'il faut toujours espérer à un lendemain meilleur. Un lendemain où la paix mérite d'être vécue au quotidien. Ils vont vous redonner le sourire. Et ça, cela va vous montrer que jamais on ne peut vous ravir la joie que vous avez. Chers compatriotes, c'est sûr qu'avec différentes situations douloureuses, vous avez imaginé que c'est la fin. Que le monde entier vous a rejeté. C'est normal entre les humains. Ça peut nous arriver tous. Mais nous sommes venus aujourd'hui vous dire qu'il y a encore des gens qui pensent et qui apportent un message de compassion, un message de paix et qui vous portent dans leur cœur. Des gens qui militent pour la paix et la cohésion entre différentes tribus dans les hauts plateaux. Il existe certainement des personnes modérées dans toutes les tribus et sur qui on peut compter pour construire notre société. Construire la paix et surtout assurer le développement. Dieu est grand et n'acceptera pas que son peuple demeure dans la souffrance. Nous sommes un et nous resterons tous unis. Soyez forts et surtout espérez à la vie. Demain est un jour nouveau. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour la parole. Je ne vais pas reprendre ce que mes précédents ont dit. Nous avons connu des problèmes sérieux, des problèmes dont nous ne sommes pas responsables, mais des problèmes causés par d'autres personnes. Cependant, après avoir eu ces problèmes, nous avons connu la main de l'Éternel depuis notre fuite jusqu'ici.
Tel que les amis l'ont dit, nous avons été bien accueillis. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous voir aussi, vous qui êtes venus nous visiter et nous consoler. Alors, chers amis, ce que vous venez de faire, nous disons que Dieu vous bénisse. De notre côté, les dames, nous avons sérieux problème pendant la guerre, bien que nous ne participons pas au front. Certaines dames venaient en train d'accoucher le long de la route. Les enfants, des bébés qui marchaient seuls sous le crépitement des balles. Mais Dieu a aidé, ils sont venus tous jusqu'ici. Le problème que nous avons ici, nous avons connu assez de problèmes, des maladies. Les gens meurent, dernièrement une fille est morte. Il y en a d'autres qui souffrent même actuellement. Ils ont peut-être dit les nombres, mais ils sont très nombreux. Même maintenant, il y a des probables morts. Mais nous avons entendu, vous avez l'objectif de la recherche de la paix. Notre souhait, c'est aussi la paix. Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est la paix. Si nous sommes ici, ce n'est pas parce que nous avons manqué des tickets pour quitter ici et aller ailleurs, mais nous sommes ici car nous avons encore l'espoir de rentrer d'où nous sommes venus. Ici, nous sommes encore à la maison. Notre souhait, c'est de rentrer d'où nous sommes venus. Comme mon frère l'a dit, nous ne pouvons pas souhaiter que les amis qui sont restés dans le haut plateau nous rejoignent aussi ici. Ce que nous pouvons souhaiter, c'est que la guerre cesse et que nous les rencontrons dans le haut plateau. Alors, chers amis, confrères, notre souhait, c'est que vous puissiez nous emboîter les pas à la recherche de la paix afin de rentrer à la maison dans le haut plateau. Alors, bien, merci beaucoup. Tout ce que vous faites pour nous, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne davantage afin de nous assister plus. Que Dieu vous bénisse. Je suis l'abbé Roger Mpongo de Bukavu. Et depuis plusieurs années, j'ai fondé une association sous-régionale qui porte le nom du foyer de paix Grand Lac. Nous avons d'abord commencé à Ruwengeri, puis à Moresa. Et dans mon histoire personnelle, j'ai été le premier curé à Nyabibwe. Avec les événements de 1994, certains parmi mes chrétiens ont traversé les frontières jusqu'au Rwanda. Ces événements d'ordre politique ne pouvaient pas effacer tous les bons souvenirs spirituels et fraternel que nous avons partagé au sein de l'Église catholique de Nyabibwe. Parmi ces jeunes qui sont avec moi ici, il y en a qui ont participé à des rencontres à Kigali, au Rwanda, avec moi, dont mon ami Joseph, et spécialement aussi à Bujumbura, au Burundi. Comme professeur, mon seul désir était de faire découvrir à ces jeunes qu'au Rwanda, qu'au Burundi, il y a des artisans de paix. Qu'il y en a partout dans le monde, des artisans de paix. Malheureusement, il y a aussi les ennemis de la paix, et tout le monde le sait. Pour aujourd'hui, notre visite est inspirée par la même intuition. Nous voulons justement montrer à ces jeunes que nous avons dans la sous-région des Grands Lacs un destin commun et qu'il serait naïf de croire qu'il y aura un jour la paix au Congo s'il n'y en a pas au Rwanda et au Burundi et vice-versa. Là où je vis, en France, en Alsace, à la frontière entre la France et l'Allemagne,
Ce sont deux pays qui se sont battus aussi pendant plusieurs années, mais aujourd'hui, ils sont devenus les poumons de l'Europe. Mon espérance est qu'un jour l'Esprit Saint nous convertisse, qu'il éclaire nos cœurs pour que nous comprenions et travaillons à ce destin commun. Qu'on soit prêtre ou pasteur, je crois personnellement que nous avons le devoir de dire à ces jeunes de ne jamais, jamais, jamais emprunter le chemin de la violence, de la discrimination. Seul le chemin de la paix et de la réconciliation contribue réellement à l'avenir d'un peuple et donc à l'avenir de nos enfants. J'ai essayé de retenir mes larmes lorsque j'écoutais vos témoignages, parce qu'ailleurs on dit qu'un voisin est un frère. Dans mon parcours de prêtre, j'ai vécu une expérience d'exil au Burundi auprès de Monseigneur Ouna, un homme de paix. Malheureusement, aussitôt après mon exil, il a été assassiné parce qu'il prêchait la paix et la réconciliation entre les Burundais. Là, j'ai appris qu'un humain ne doit pas se moquer du sort du voisin parce qu'il ne sait pas à quel sort, il ne sait pas quel sort l'attend au tournant. J'essaye d'inculquer ce témoignage à nos jeunes et de leur demander de ne jamais mépriser personne, de ne jamais discriminer personne, parce que nous sommes tous frères. Je suis Mouchi et tous mes noms et prénoms se retrouvent au Rwanda et au Burundi. Rubuguzo, Mpongo, ces deux noms ont du sens dans nos trois pays pour dire que c'est par petitesse d'esprit que nous les humains, nous discriminons les autres sans raison. Et personne ne gagnerait son salut seul s'il n'a pas été attentif aux réfugiés, aux prisonniers, selon l'esprit de l'Évangile. Voyons maintenant ce tam-tam qu'on a apporté avec nous. Il symbolise notre espérance. Nous voulons un jour l'entendre. L'entendre au son de joie du retour pacifique à Minembwe. Là, alors, nous danserons ensemble pour notre libération que nous espérons durable. Même si nous sommes pas encore à ce point, nous espérons que ce temps viendra et que nous chanterons ensemble la joie d'être frères. Nous retenons ce témoignage de notre grand-mère qui souhaite revenir dans son milieu de vie et y vivre en harmonie avec d'autres tribus congolaises. Nous comprenons aussi la colère de notre grand-père qui exprime son ras-le-bol et sa méfiance envers les discours de celles et de ceux qui passent par ici. Nous vous promettons de rendre compte de tout ce que nous avons entendu et vu. Pour conclure, nous rêvons un jour d'un espace agricole commun sur les hauts plateaux où nous cultivons ensemble, où nous élevons nos bétails ensemble et que lors des récoltes, nous donnions la joie à chaque tribu d'avoir une mesure de haricots, une mesure de pommes de terre, de partager les laits de nos vaches comme richesse commune, partageant aussi une histoire sacrée commune. Que le Seigneur nous accorde cette joie de voir ses rêves devenir réalité et qu'il vous bénisse et vous protège. Nous vous remercions pour votre arrivée. Nous vous remercions pour cette tâche que vous vous êtes donnée. Et nous vous recommandons
de toujours avoir cette tâche, la tâche de venir visiter les gens en difficulté comme nous. Et parce que lorsque vous êtes là, vous observez ce qui se passe et nous vous demandons d'apporter le message même au gouvernement afin que le gouvernement puisse comprendre aussi le problème que nous avons et nous venir en aide en participant à la résolution de ces problèmes. Merci. Ninamuona au kupesha, mirewa